Costa. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour madame. Yo les gens, c'est Nexa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Encore une vidéo réaction, vous avez super apprécié les vidéos réactions. Du coup je me suis dit let's go, on va quand même en proposer une autre. J'ai fait une vidéo réaction tout simplement sur la Gameuse 1 de Black Ops 3 avec sa BRM, bon vous avez vu elle campait un petit peu. Mais pour le coup elle gérait vraiment bien, c'est vraiment des gros scores, des belles nucléaires. Et elle est classée deuxième sur le classement mondial sur Black Ops 3, du coup c'est vraiment un truc de malade mental. J'ai réagi aussi à la nucléaire de Physox contre Monsieur le V12, Skyros, Dark Funeral et Mr B-Boy. Vous avez super apprécié au niveau des likes, vous avez été là à défoncer la barre des likes, à vous abonner à Physox etc. Du coup ça me fait vraiment super plaisir, et à moi et à lui même, lui il est choqué, il m'a dit tu m'as fait exploser le compteur d'abonnés, du coup c'est super sympa. C'était mon objectif tout simplement de lui faire gagner des abonnés, parce qu'un gameplay comme ça tu peux pas le laisser dans le vent, tu peux pas le laisser tout simplement à 3000 vues, c'est impossible. Du coup je me suis dit let's go, on va quand même le faire. Et aujourd'hui les gars je vais vous présenter tout simplement un gameplay. Ce gameplay là c'est une double nucléaire solo tout simplement d'une fille française. Pour moi c'est la meilleure gameuse française, c'est la gameuse une française au niveau des gunfights etc. Pour moi c'est elle qui a le plus de niveau. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu comment on s'est rencontré, comment on s'est follow sur Twitter, tout ça, tout ça. Du coup c'est cool. Mais juste avant de vous parler de ça les gars, s'il vous plaît, je reprends les FAQ. Donc voilà, je reprends les FAQ, on va refaire des FAQ une par semaine, voire une toutes les deux semaines, parce qu'avant j'en faisais une toutes les semaines le dimanche. Du coup les gars, si vous avez des questions à me poser sur quoi que ce soit, sur World War 2, sur Black Ops 3, sur ma vie, sur mes projets qui arrivent bientôt, comme vous savez, j'en ai parlé en live, etc. Si vous avez tout simplement des questions à poser sur ma vie, sur mes études, sur tout ce que vous voulez, sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas tout simplement à les poser en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, je choisirai pas mal de questions et je répondrai en vidéo avec le hashtag FAQNexa, vous connaissez les bails comme d'habitude. Et du coup voilà, n'hésitez vraiment pas tout simplement à poser vos questions en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait des FAQ et je me suis dit let's go, on va quand même reprendre les abonnés, tu vois, ils ont peut-être des questions à poser. Du coup let's go, c'est le moment. En tout cas pour la petite anecdote de moi et Obscurien, en fait genre comment vous dire, de base tu vois je devais même pas faire cette vidéo, tu vois, de base je devais même pas faire cette vidéo, réagir à la Gameuse 1 française de Black Ops 3. Mais en fait je vous expliquais, j'ai posté un tweet sur Twitter en mode coucou, j'ai dit coucou tu vois pour mes abonnés et tout, elle a liké le tweet tu vois, donc du coup j'ai liké un petit tweet à elle, elle m'a follow, je l'ai follow, du coup après on s'est parlé un petit peu, tu vois ce que je veux dire, du coup ça fait plaisir. Et après tu vois je la connaissais de nom de base un petit peu, voilà je savais que tout simplement elle gérait un petit peu sur Black Ops 3, elle faisait quand même des gameplays, mais voilà tu vois elle gérait, elle avait son gunfight, elle avait tout simplement son style de jeu etc. Du coup pourquoi pas faire une vidéo, je me suis dit let's go on fait une vidéo. Et let's go tu vois, je lui ai demandé de me donner ses meilleurs gameplays. Faut savoir que cette fille a la triple nucléaire G3, a des nucléaires corps à corps, a des doubles solos etc. Du coup c'est assez sympathique, franchement pour le coup elle a vraiment un niveau et c'est vraiment super cool de voir ça en France. Parce que franchement je pense la vérité que c'est la meilleure gameuse, la meilleure joueuse Call of Duty français. Si vous avez des idées de gameuse française qui la bat pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars, parce que moi j'ai vraiment pas trouvé à part Emma Gamers, et je vais faire une vidéo là tout à l'heure après avec elle en live, vous inquiétez même pas, il va y avoir plein de vidéos, vous allez vraiment vous régaler sur la chaîne. Mais pour le coup franchement Obscuria est vraiment super forte, elle a vraiment son petit niveau et c'est super cool. Comme je l'ai dit, on s'est rencontré sur Twitter de base, moi je la connaissais de nom voilà un petit peu, et du coup ça c'est sympa, j'ai pensé à faire cette vidéo. Et du coup pour le coup elle a vraiment un niveau de malade mental, elle a vraiment son niveau et ça fait vraiment super plaisir. Là on va réagir tout simplement à sa double solo, le gameplay vous avez devant vous c'est la double solo. Après je vais vous montrer tout simplement une vidéo à elle qu'elle a fait, parce que oui elle a une chaîne YouTube, elle fait des vidéos. Ce qui est dommage, moi ce qui est dommage, je trouve ça dommage en France, tu vois, c'est que les gens ils parlent beaucoup de leur chaîne YouTube et tout, ils parlent beaucoup de ouais, moi je fais des vidéos, etc. Je suis youtubeur, sauf que le problème c'est qu'ils font des vidéos vraiment pas souvent, et c'est un peu le cas de Obscuria, ce qui m'a un petit peu pas saoulé, tu vois, mais ça m'a. Ça me fait chier parce que tu vois les gens comme ça ils peuvent augmenter et c'est vraiment dommage parce que les gens avec du gunfight, les gens, surtout c'est une fille, wesh, les gens ils kiffent ça sur Call of, je te promets, genre il y en a pas trop en France. Du coup bah elle aurait pu augmenter, elle peut augmenter de ouf, elle pourrait augmenter de ouf. Donc si t'écoutes cette vidéo, de toute façon c'est très bien que tu regardes cette vidéo parce que rien, franchement Fais des vidéos, essaye de faire une vidéo tous les deux jours parce que j'ai vu ta chaîne, on va regarder ta chaîne à la fin. Une vidéo toutes les semaines, une vidéo toutes les deux semaines, c'est vraiment pas top comme activité. Donc franchement si tu veux augmenter sur YouTube et t'as vraiment les moyens, franchement fais masse de vidéos, fais des lives, fais des trucs comme ça, fais plein de choses sur Call of Duty et franchement ça va marcher de ouf. Fais des lives etc, les lives ça marche super bien. Du coup voilà, c'est un petit conseil que je te donne et voilà, tu le prends ou tu le prends pas, moi c'est des conseils que je donne, j'essaie d'aider un petit peu les petits youtubeurs. Du coup voilà, et pour le coup vous voyez Obscuria qui a déjà obtenu sa nucléaire, elle va vraiment les enculer en fait, voilà, elle les encule de ouf. Et c'est vraiment bien de sa part, franchement je suis choqué qu'une gameuse fait des niveaux, fait des gameplays comme ça. C'est même pas du être macho ou quoi que ce soit, tu vois. C'est que, c'est la vérité. Frérot, en France, il n'y a pas trop des gameuses qui
qui gère, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment dommage. Et pour le coup, Absuria, elle m'a mis sur le cul. Elle a un putain de niveau. Elle a franchement un très bon niveau. Et c'est assez cool. Même si voilà, j'ai entendu des petits trucs en mode ouais, fait du G6 et tout. Elle fait plein de G6, etc. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle a une petite double solo. Elle a des nucléaires corps à corps. C'est assez sympa. Elle fait un petit peu de tout à ce que je vois. Donc c'est assez cool. Et voilà. Et n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire hein, si vous voulez que je fasse des vidéos avec Absuria. N'hésitez vraiment pas. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos ensemble, etc., ça serait vraiment cool. Donc si vous voulez simplement qu'on fasse des vidéos, déjà marquez votre question pour les FAQ et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus, ça serait vraiment cool de votre part. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos ensemble, moi ça me dérangerait pas du tout. Voilà, je suis ouvert à toutes les personnes, simplement à tous les youtubeurs, etc. Y'a aucun souci. Donc si vous voulez qu'on fasse des vidéos ensemble, je sais pas, des petites séries sur Call of Duty, etc., n'hésitez vraiment pas à me dire. Moi ça serait vraiment un plaisir tout simplement de faire des vidéos. Et voilà, ça dépend de vous les abonnés si vous êtes chaud. Moi je suis chaud, vous savez, vous connaissez, wesh. Bref, maintenant on va tout simplement réagir à une vidéo qu'a faite Obscuria. Cette classe explosera vos adversaires sur Black Ops 3. Donc c'est une belle setup. On va voir si tout simplement elle gère en tant que youtubeuse et pas en tant que playeuse. On va voir ça du coup. Et let's go baby. Moi je suis impatient de voir ça. J'ai pas vu la vidéo encore. Du coup, let's go. On va voir si c'est de la qualité. Si ça marche bien. On va voir si c'est cool. Et on va voir si on va déposer le like à la fin de la vidéo. Let's go. On peut voir déjà qu'elle est en G6, il me semble. Donc c'est. Non, franchement, ça me refroidit un peu, tu vois. On va voir l'arme, on va voir la classe, etc. Déjà, on peut remarquer que c'est pas une manœuvre de base. Bonjour tout le monde, c'est Obscuré, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin, mon retour sur YouTube. Okay. Bref, voilà, les amis, aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter une best class setup sur Black Ops 3, comme vous le verrez au gameplay. Donc, avant de commencer la vidéo, je vais tout simplement vous introduire le gameplay. C'est tout simplement, pardon, un 57 Gunstrike. À la manoir sur Chromie. Ce qu'on peut remarquer, les gars, c'est que la manoir elle est grande, grande cape. Donc voilà, ouais, les amis, donc simplement j'ai décidé de faire une best class setup parce que je sais que tout le monde joue manoir, etc. Ouais, mais ouais, franchement, cette classe, juste sur YouTube, à part des tirs rapides gros calibre, etc., je l'ai pas trouvé. Enfin, et maintenant j'ai décidé de vous la présenter, donc je vous présenterai un screen à l'écran. Donc tout simplement, la classe c'est Cross. C'est une manoir visée réflexe que vous équiperez avec un visée réflexe, une crosse, et un chargeur de capacité pour enchaîner les ennemis. Excuse-nous, ça incruste des images et tout. Un chargeur rapide pour recharger plus rapidement, donc c'est logique. Et bien évidemment, un gros calibre pour pouvoir tuer plus rapidement les ennemis. Parce que, comme vous savez tout, je pense que la manoir, elle se lève automatiquement quand vous tirez. C'est pas mal. Donc voilà, donc c'était un gameplay assez facile. Donc je vous invite à faire cette classe et à me dire dans les commentaires si vous réussirez à taper des nucléaires, à enchaîner vos ennemis, etc. Malgré que ce soit à la fin du jeu, donc il y en a toujours qui n'ont pas tapé la nucléaire, etc. Ça, donc, aussi, je voulais préciser que s'il y en a qui ont le pot de vin et que vous voudrez que je vous l'ouvre, donc pas de soucis, donc je vous l'ouvrirai et je vous dirai, enfin, vous viendrez me voir sur Twitter, donc je mettrai mon arrobase dans la description. Donc voilà, donc aussi, je vais vous expliquer pourquoi j'étais absente tout ce temps, donc c'est très simple. Donc, mon inactivité pendant un mois, c'est très simple, c'est que de une, j'avais un problème avec mon PC, donc voilà, je pense que ça vous paraît logique. Okay. Ainsi que j'avais franchement la flemme de faire des vidéos, de stream, etc. Donc, non franchement, je le paye. Non parce que, pas avoir la flemme sur YouTube, t'as la flemme, t'es mort. Maintenant, je fais 300, 500, 600, donc on voit déjà le pire truc à dire. La baisse de vue, etc. Mais voilà, on est là pour remonter tout ça. Et voilà, donc j'espère qu'on remontera tout ça ensemble. Bref, c'était Obscuria. Je vous laisse sur cette belle fête gameplay. C'était Obscuria. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton petit commentaire. Non, on se retrouve après demain pour une nouvelle vidéo. C'était Obscuria. Kiss. Tu peux pas, gros. C'est impossible. Tu peux pas dire que t'as la flemme. Tu t'as la flemme sur YouTube, t'es mort. Voilà, t'as la flemme sur YouTube, t'es mort. Tu perds une activité comme moi en fait. J'ai arrêté pendant 3 semaines. Heureusement j'ai retaffé les vidéos. Heureusement je suis là à refaire des vidéos activement, une vidéo par jour. Parce que sinon je serais mort. Donc ça c'est le pire truc à faire, s'il vous plaît les gars. Message à tous les youtubeurs, franchement. Vous êtes inactifs, vous êtes mort. Votre chaîne est morte en fait, c'est ça. Donc Obscuria, franchement, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut être actif sur YouTube, ok, pour avancer. Donc sois actif. Non, franchement, c'est pour rigoler ce que je dis, tu vois, mais franchement, l'activité, c'est super important sur YouTube, donc s'il vous plaît, tous les youtubeurs, soyez actifs un minimum, parce que sinon, votre communauté va tout simplement ne plus être là, en fait, surtout si vous êtes petit youtubeur, et que vous faites déjà pas forcément beaucoup de vues, ça va être encore plus galère à la fin, et au final, ben voilà, vous allez vraiment être encore plus démotivé, parce que vous allez faire encore moins de vues, etc., c'est un cercle vicieux, en fait, vous voyez ce que je veux dire, du coup, voilà, mais pour le coup, franchement, je suis hyper content, Obscuria nous a montré qu'elle avait un super niveau, du coup, c'est assez sympathique, du coup, voilà, c'est la
la fin de cette vidéo les gars. Donc j'espère que ça vous a plu. Attendez, on va vite aller sur sa chaîne YouTube. Elle a fait quand même pas mal de vidéos. C'est assez sympathique. Elle a fait quand même pas mal de vidéos. Je l'humilie. Elle restart son compte level je sais pas combien. Je restart mon 4 de ratio aussi. Elle a 4 de ratio en plus, c'est sympathique. C'est 1v1 et c'est pas passé comme les autres. Non franchement c'est pas mal. C'est pas mal, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je pense que si tout simplement elle ferait un peu plus de vidéos, ça serait vraiment pas mal du tout. Ça serait vraiment cool même. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. N'hésitez pas tout simplement à checker la chaîne Obscura qui est bien sûr en description. Si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos réactions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire des noms aussi, ça serait vraiment cool de votre part. J'ai déjà quelques idées, mais voilà. En tout cas aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo avec Obscuria, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il y a beaucoup de choses que franchement faut que tu marques beaucoup de choses en commentaire de ces vidéos. Je suis désolé mais c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Non en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Franchement elle a un gros niveau, on va pas se mentir. Du coup c'est assez sympathique. Dites moi pour vous qui est la meilleure entre Lucky Girl et Obscuria Gameuse, donc c'est à dire la meuf qui jouait à la BRM et tout simplement qui faisait des gros massacres etc, ou Obscuria, dites moi laquelle est votre préférée. En tout cas moi personnellement je pourrais pas vous le dire parce que je ne peux pas, c'est comme ça, je peux pas. Bref, en tout cas c'était Nextase les gens, on se retrouve demain pour la vidéo. J'espère que t'as kiffé, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. C'était Nextase, peace.